Ça m'a vraiment choqué, mon premier massage cardiaque, hein, sur une personne âgée de 50, 60 ans, pas plus, qui visiblement s'était fait piquer par des frelons, réaction allergique. Il est mort, en fait, devant ses parents. Ça m'a vraiment perturbé et de voir que le massage n'avait pas du tout été entrepris. Et quand on est arrivé, la personne était bleue. Enfin, ça se voyait qu'en tout cas, on arrivait beaucoup, beaucoup trop tard. Je trouvais que c'était important de pouvoir partager même comment dire, des connaissances pompiers basiques. Enfin, quand je dis basique, c'est en tout cas pas du côté secours médical. Et puis, ouais, les premières vidéos n'étaient pas forcément les meilleures, mais j'essayais de voir si ça intéressait des gens. Et puis, de fil en aiguille, je me perfectionne. J'essaye des fois de reproduire des formats qui ont déjà marché, soit sur un autre sujet, soit en allant plus loin sur un même sujet. C'est peut-être l'algorithme ou alors moi qui ai changé quelque chose que j'ai pas réussi à cibler. Mais la vidéo, par exemple, si je prends l'exemple de celle de l'AVC, je donne un mnémotechnique pour reconnaître un AVC. La vidéo fait plus de 700 000 vues. Et ensuite, j'explique l'AVC ou alors je donne des techniques pour reconnaître un infarctus. Et on doit être entre 5 000 et 10 000 vues, pas plus. Ça, je crois que c'est la chose la plus compliquée. Parce que les vidéos s'adressent au grand public. Maintenant, qui dit grand public dit tout le monde, et dans tout le monde, il y a aussi, par exemple, des formateurs secouristes, qui eux vont être très tatillons sur certaines choses, alors que moi j'ai tendance plutôt à vulgariser. On m'a beaucoup fait ce reproche-là, donc maintenant j'essaye d'être plus carré, plus précis dans ce que je dis, mais j'ai peur de perdre ce côté grand public. Les premières, elles étaient assez virulentes. Encore une fois, je trouve ça dommage, c'est que ça faisait ressortir une guerre entre volontaires et professionnels, entre jeunes et vieux. En fait, tout ce qui faisait de moi ce que j'étais, c'était attaqué. Donc, c'était pas constructif. Et d'ailleurs, bon, bah, voilà, ça m'a pas tellement atteint. Mais particulier. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à me diversifier un peu. Et là, c'est pareil, on m'a attaqué sur la forme, mais pas sur le fond. Je crois que j'en ai plus. Ou si. Sur une dernière vidéo, j'ai reçu un non, tu te trompes, c'est pas comme ça. Je me trompe sur quoi? Faudrait que tu m'expliques un peu parce que bah, ça a quand même été fait, vu et supervisé par des formateurs. Si encore une fois là je me trompe, je pense que ouais, c'est que tu sais quelque chose que personne ne sait sur Terre. Mais au début, ça faisait débat, faut être honnête, hein. Ça faisait débat parce qu'il n'y a pas eu trop de communication en interne et il faut savoir que chez les pompiers, se montrer en uniforme, etc., c'est assez mal vu. Et ce que je trouve normal, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Et comme tout métier à uniforme, ça se respecte, il y a quand même des gens qui sont morts avec. Pour moi, c'est pas une. Comment dire, j'essaye de faire de la pédagogie, je ne me montre pas juste en uniforme. Si je me montre en uniforme, c'est pour attirer l'œil, pour essayer de montrer une certaine crédibilité. Si j'arrive habillé comme je le suis aujourd'hui en disant, bon, je vais t'apprendre comment on fait ça. Les personnes ne savent pas qui je suis, d'où je viens, et il faudrait que je prenne 30 secondes pour expliquer ce que je fais. Alors que l'avantage de l'uniforme, comme par exemple le stéthoscope que je mets, c'est vraiment de montrer en un clin d'œil ce que je fais, ce que je suis. Et d'ailleurs, ça fonctionne bien puisque plusieurs fois, on me demande qu'est-ce qu'un pompier fait avec un stéthoscope. Bah, je dirais qu'il y en a trois. C'est vraiment les gestes qui sauvent de manière immédiate. C'est le garrot, l'hémorragie, les points de compression, enfin tout ce qui peut arrêter un saignement. Ensuite, il y a l'obstruction des voies aériennes, donc la manœuvre de Heimlich ou les claques dans le dos. Nous, si on nous appelle, ce sera trop tard. C'est-à-dire que même 2 minutes, le temps qu'on réponde, qu'on envoie les moyens, qu'on tape l'adresse, ce sera peut-être trop tard. Et ensuite, la dernière, ça va être le massage cardiaque. Le massage cardiaque qui, pour le coup, même si on arrive et qu'on continue, les chances de survie sont quasi nulles. Et ça m'a vraiment choqué, mon premier massage cardiaque, hein, sur une personne âgée de 50, 60 ans, pas plus, donc assez jeune, qui visiblement s'était fait piquer par des frelons, réaction allergique. Sous ses parents, enfin ouais, il est mort en fait devant ses parents. Ça m'a vraiment perturbé et de voir que le massage n'avait pas du tout été entrepris. Et quand on est arrivé, la personne était. Bah, t'es bleu, enfin, ça se voyait qu'en tout cas, on arrivait beaucoup, beaucoup trop tard. Et ça m'a, ouais, perturbé. Je me suis dit que pourquoi est-ce qu'au final, on pourrait pas. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, quand on aime une personne, c'est vraiment le geste de base qui peut la sauver.
De s'accrocher. Je dirais de s'accrocher. C'est génial. On a plein d'occasions. On peut rencontrer plein de monde. Même d'un point de vue perso, on se sent beaucoup plus à l'aise en situation. Alors, peut-être pas d'urgence, mais toutes les situations un peu délicates, on apprend à réfléchir. Parce qu'on est tous, à un moment ou à un autre, sous le stress, submergés par le stress. Et c'est à ce moment-là où il faut se calmer, analyser chaque détail et ne pas sauter directement sur la victime, et essayer de faire deux, trois gestes qu'on ne maîtrise pas et sans savoir pourquoi. Mes futurs projets sur TikTok, ça va être juste de continuer de faire des vidéos, essayer de trouver ce qui intéresse le plus. Par contre, en dehors, moi, mon projet, ce serait de faire reconnaître cet engagement au niveau des facs. Il faut savoir qu'en fait, on peut faire des gardes chez les pompiers, on apprend plein de choses, mais qui ne sont pas forcément reconnues comme telles à la fac. Donc ça permettrait de faciliter l'engagement pompier d'un étudiant en médecine, ce qui permettrait en fait pour les départements et les services d'incendie et de secours de recruter des médecins. C'est bien pour tout le monde, puisqu'on a un médecin qui va être plus présent, qui va donner sûrement plus de son temps pour faire de l'interventionnel sur des accidents de la route où on a besoin de quelqu'un pour stabiliser, faire entreprendre des premiers gestes qu'un infirmier ne peut pas ou n'a pas le droit de faire, du moins sans le médecin.